Nous avons une activité SMUR et on assure 350 sorties SMUR annuelles, ce qui permet de couvrir le sud du département. La particularité de la pharmacie de l'hôpital de Loche, c'est d'avoir un circuit de médicaments entièrement sécurisé. On s'est procuré un logiciel de prescription avec une ordonnance informatique. Alors, les chimiothérapies sont préparées à l'hôpital de Loche. Nous avons une convention et nous sommes un établissement associé au CHU de Tours. L'hôpital de jour dispose de 10 places. C'est un hôpital de jour médico-chirurgical. Le bloc est constitué d'une salle de réveil et de 3 salles d'intervention. L'hôpital de Loche est très intéressant parce que la structure du bloc se trouve sur le même niveau que la structure de chirurgie, que la structure de médecine et que la structure de chirurgie ambulatoire. Et ça permet une grande fonctionnalité pour l'établissement. La chirurgie ambulatoire, c'est le malade qui arrive le matin et qui repart le soir. C'est un acte qui est fait avec le moins possible d'agression, c'est-à-dire d'agression chirurgicale ou d'agression anesthésique, de façon à ce que le malade soit bien sûr pendant l'intervention, mais aussi après. Nous sommes ici sur le site de Pugibo, qui fait partie intégrante du centre hospitalier de Loche. Il regroupe le service de soins de suite et de réadaptation, le SIAD et l'EHPAD. L'atout majeur de l'EHPAD de Pugibo est son appartenance au centre hospitalier de Loche. L'EHPAD, c'est aussi une grande diversité de professionnels qui interviennent auprès des résidents au quotidien. Des cadres, des médecins, des infirmières, des aides-soignantes, une psychologue, une ergothérapeute, une diététicienne, une pédicure, une socio-esthéticienne et deux animatrices qui sont là pour proposer au quotidien de nombreuses activités et maintenir des liens sociaux. Elles encadrent plus de 70 bénévoles qui proposent des activités de tout type. Chant, peinture, mosaïque, chien visiteur. L'EHPAD, c'est un lieu de vie au sein duquel le résident a des droits, dont le droit de vivre dignement. En ayant la possibilité de faire leurs courses, ça permet de garder du lien social, hein, de faire des rencontres, revoir des amis, des voisins. C'est aussi poursuivre une vie citoyenne dans le sens où ils peuvent avoir le droit de garder, d'avoir leur porte-monnaie et puis de dépenser leur argent comme ils veulent. Je suis la présidente des résidents. Point de vue personnel, ils sont très aimables et vraiment, on est très bien soignés. Vous savez, ils sont très humains. On a vraiment beaucoup de chance.
Notre activité principale est une activité de consultation pour un bilan, un diagnostic, un débrouillage, une première orientation thérapeutique, puis ensuite un suivi au long cours. Nous avons également un hôpital de jour de 15 places. Nous travaillons en réseau avec le CHU de Tours. L'objectif est d'offrir localement le suivi tant des grossesses que le suivi gynécologique. Avec plus de 500 personnes, un lien étroit avec le CHU de Tours au sein du groupement hospitalier de territoire d'Indre-et-Loire, le centre hospitalier Paul Martinet de Loche est un hôpital de territoire. Pour votre santé, vous pouvez compter sur nous. We'll be right back.